C'est pas grave, madame. Bonsoir à tous, c'est un opéra au sentiment profond et passionné. La Bohème de Giacomo Puccini sera jouée à l'Opéra de Rouen dès ce soir et jusqu'au 12 juin. La belle histoire d'amour entre Rodolfo et Mimi est transposée, vous allez le voir, dans les années 60, à découvrir les yeux bien ouverts. La Bohème, c'est d'abord l'histoire de quatre artistes qui vivent sous les toits de Paris. Désargentés, mais heureux, un air de liberté flotte dans leur mansarde. Un soir, Mimi, une voisine, vient quémander du feu pour sa chandelle. Elle est accueillie par Rodolfo. Le poète et la brodeuse tombent instantanément amoureux. C'est un personnage vraiment intéressant à jouer. On se demande en permanence quel est son passé, d'où elle vient. Ce mystère, c'est rare à l'opéra. Mimi apparaît à la période de Noël, puis disparaît au printemps. C'est une histoire intime des 3, 4, 5 personnes dans un atelier à Paris. C'est une histoire très simple. Ça parle d'amour et de la mort. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous tous. La Bohème, c'est aussi la fête dans les estaminets du Quartier Latin. La légèreté et l'espièglerie de Musetta, qui vit une histoire d'amour houleuse avec son peintre Marcel. Giacomo Puccini situe son opéra en 1830. Mais dans cette mise en scène, l'action est transposée à l'aube de 1968. La transposition, elle nous semblait assez juste par rapport à l'époque d'origine de là où était fait Bohème, où il y avait déjà, on sentait cette société parisienne qui commençait à exploser artistiquement, culturellement. C'est toujours dangereux de revisiter des opéras. C'est super dangereux, mais là, en fait, on s'amuse beaucoup. Il y a beaucoup d'énergie sur le plateau. Pour Musette, c'est très intéressant parce que ça donne un petit peu de peps qu'on n'a peut-être pas dans le 19e siècle et qui est très intéressant dans ces années 60 qui s'étaient un peu folles. La Bohème fait partie des 10 opéras les plus joués au monde. Le lyrisme de Puccini a traversé le temps. Les soirées du Caméléon, 16e édition. Le Théâtre de l'Arsenal accueillera 2 soirées de concert, haute en couleurs. Premier round, demain soir, musique métissée avec l'Orchestre National de Barbès, mais aussi du reggae avec un groupe bien connu des Normands, King Kaliba. Il allait tout faire, tout donner pour passer. Ses enfants, certains d'un âge avancé, avaient bien le droit d'espérer. Pourquoi tout Ils seront en roue libre du 9 au 11 juin au Cirque Théâtre d'Elbeuf. Les acrobates de la compagnie des nouveau-nés envahiront la piste roulant, pédalant, s'agitant sur leur selle ou leur guidon. Ces 11 artistes rouleurs impénitents vous inviteront à partager ce ballet burlesque et poétique. Cirque à nouveau avec un rendez-vous désormais incontournable, la 7e fête du cirque à Saint-Romain de Colbosc. Acrobates, jongleurs, clowns, 17 compagnies viendront réenchanter votre week-end. Sur la piste, les frères Clouzot sont inséparables. Même la roue est sublimée à deux. Une performance présentée sans costume ni paillettes. Les acrobates affectionnent la simplicité. Quand il s'agit de jongler, un parapluie et une boule de verre font l'affaire. La compagnie s'appelle Trois fois rien, ce n'est pas par hasard.
Nous, on a toujours cherché à détourner les objets avec des choses très simples. En passant beaucoup de temps à exploiter la matière, on arrive petit à petit à proposer quelque chose d'original et de ce qu'on appelle poétique. Cette barre et leur création, un agrès qui se pratique à deux pour mieux souligner leur complicité, pour mieux atteindre l'équilibre parfait. Entre chien et loup a convaincu les premiers spectateurs du parc de Gros-Ménil, des collégiens. Les familles, elles, sont attendues dès ce soir. C'est le spectacle Chouchou des Normands. Cathédrale de Lumière revient demain soir et jusqu'à la fin de l'été. Ce son et lumière gratuit sera projeté chaque soir à la tombée de la nuit sur la cathédrale de Rouen. Vous pourrez revoir Les Jeanne, suivie cette année d'une nouvelle création sur la fabuleuse épopée de Guillaume le Conquérant. Aujourd'hui, la semaine prochaine, nous découvrirons ensemble le premier festival de théâtre de Dieppe, présidé par Francis Huster et parrainé par Alexis Dessau. Rien que ça, d'ici là, bien sûr, gardez les yeux bien ouverts.